Salut à tous, équipe, on se retrouve pour le 19e épisode de Fable 1 Anniversary avec notre personnage maléfique. Les petits amis, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et mettez un petit commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines aventures. Je vais vous raconter ce que j'ai fait entre deux vidéos. Je suis venu fouiller dans un premier temps ce meuble. Exactement là, comme ça vous ne ratez rien. J'avais oublié que je n'avais pas encore lancé l'enregistrement. Et du coup, dans ce meuble, j'y ai trouvé une petite perruque rouge. Voilà, comme ça. L'art de la prostitution est émaillé de curieuses fantaisies. Celle-ci, qui en est probablement l'une des moins sordides, fera le bonheur des souteneurs amateurs de rouge. Ce n'est pas mon cas, j'irai revendre ça rapidement dès que j'en aurai l'occasion. Pour rappel, j'ai transformé ce bordel en... mais pas du tout en refuge pour femmes je ne sais plus quoi là. Et je l'ai laissé en tant que bordel et j'en suis devenu le digne propriétaire. Bien, bien, bien. Tu es un maître dans l'art de l'amour. Et j'ai réussi à m'attirer les faveurs de la porte parce que du coup j'ai vu qu'il fallait avoir 10 relations sexuelles en tout avant que la porte nous donne accès à son contenu. Avant de te laisser passer, je n'ai qu'une question. C'est comment? Et comme je suis le propriétaire, eh ben voilà, pour ne rien vous cacher, les passes étaient gratuites. J'en ai profité. Je me demande ce qu'on va trouver derrière, je suis assez curieux. Déjà, j'aime beaucoup les grands espaces comme ça, là. Avec la petite musique qui va bien, petit coffre. Chapeau de Proxo? Quoi? Bien que tombé en désuétude et considéré par beaucoup comme ridicule, ces chapeaux sont toujours associés à une certaine désinvolture, un certain machisme et une approche particulière de la gestion des bordels. Ok. Bon, on va se téléporter. Je ne sais pas où. J'ai envie d'aller voir à Bowerstone North si on peut revendre un petit peu mon ancien arc. Et revendre quelques trucs qui ne me servent plus. Donc allez, téléportation. Il faut passer bien évidemment par Bowerstone Sud. J'adore les yeux qui restent en suspens dans le vide comme ça lorsque je me téléporte. Je trouve ça trop stylé. On va pouvoir vérifier, on va pouvoir comparer les stats de l'arbalète que j'ai ramassé dans la vidéo précédente. L'arbalète d'Arken. Elle fait 220. 220 de dégâts. J'avais pour objectif d'acheter une arbalète de grand maître, mais je crois qu'elle fait beaucoup moins de dégâts. Donc on va pouvoir économiser au moins 30 000 pièces d'or. Ça, ça fait plaisir aussi. Hein. Ça fait plaisir. Ah, le marchand est là. Le marchand est là. Alors voyons voir. Ouais, l'arbalète de maître, elle faisait 200. Voilà, ça ne me sert plus à rien. On peut revendre mon ancien arc ou pas alors du coup? Arc long de maître. Allez, tu dégages. Déjà 47 000. Katana de maître. Je m'en fous aussi, non? Ah non, c'est celui que j'utilise. Non, je ne m'en fous pas. Ah non, je ne m'en fous pas, non. J'ai failli faire n'importe quoi, là. Whisper est morte. Votre triomphe était pour le moins brutal. Ouais, brutal, ouais, comme tu dis. Bonjour, monsieur. Un autre marchand, il me faut un autre marchand. On va aller voir du coup à Bowerstone Sud, et si on ne trouve rien, on ira à Knossall Glade. Pour voir ce qu'on peut revendre, et voir si on peut faire l'épreuve de tir à l'arc. Que je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Ah ben voilà, ben attendez, il y a un forgeron ici, peut-être qu'il peut nous racheter des trucs. Je vous ai à l'œil. Désirez-vous faire du commerce? Oui, je veux bien. Votre bonheur. Ah, on peut rien lui vendre à lui. On peut rien lui vendre. Bon, ben c'est d'une tristesse incroyable. C'est d'une tristesse incroyable. Peut-être ce marchand-là. Vous êtes au bon endroit. On peut pas lui vendre, non.
Putain, c'est dingue ça. Whisper est morte. Knossol Glade, c'est où? C'est par là. Allez, allez, allez. Est-ce que l'épreuve est toujours disponible? Bienvenue au concours de tir. Il vous en coûtera 10 pièces d'or pour participer. Vas-y, je prends. Tentez votre chance. Vous pouvez gagner un prix. Ça marche. Il y a des prix spéciaux pour les meilleurs scores. Tenez-vous dans le cercle à l'opposé du panneau. Vous avez ensuite une minute pour atteindre les cibles aussi. Les cibles ont des valeurs différentes selon leur emplacement et leur mobilité. Ne cherchez pas à vous rapprocher. Restez dans le cercle. Et pas de magie surtout. Et dernier point, je ne suis pas non plus une cible. Ok, êtes-vous prêt à commencer? Oui, je veux bien. C'est bon, go. Allez, je vais tous les avoir là. Allez. Facile pour l'instant, facile, easy. C'est bon ça. Temps écoulé. Est-ce que j'ai réussi à fracasser les cibles les plus loin c'est ou pas? C'est fini. Voyons votre score. Avez-vous gagné quelque chose? Un nouveau record. Bien joué, héros. Sérieusement? Indice à trésor. Oh yes. La construction la plus proche par son membre est indiquée. Suis sa direction, mais ne reste pas traîné. Approchez, venez tester votre adresse au tournoi de tir à l'arc. C'est tout ce qu'on pouvait trouver ici? Bon, ben écoutez, hein. On va attendre que la nuit tombe. Ah merde, il s'est barré. On peut dormir ici ou pas? Je vais laisser passer la nuit. Quelque part. Et on va tenter d'aller refaire. Je sais pas si c'est une bonne. Si c'est un bon choix que de refaire l'arène de combat. Ah, attendez, y a pas un coffre à l'étage là? Je l'avais déjà ouvert? Non, je l'avais pas ouvert ce coffre. Hein. Voilà! Ah, ben c'est nickel! Où est le mec qui veut nous faire faire l'arène de combat là? Le maire de la ville. J'aimerais bien valider ce dernier truc ici. Pourquoi ça me fait ça? C'est bizarre ça. C'est encore le mec du tir à l'arc là qui apparaît en vert? Ouais, je crois. Hein. Bienvenue! Non, ça m'intéresse pas. Non. Moi, je veux juste faire des petits combats d'arène là. C'est quand tu veux que tu te pointes? Ah, il arrive. Il arrive. On va voir si on va échouer cette fois-ci. Juste ça me permet. Allez, vas-y, 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 vas-y. Vous êtes à vous. Ouais, vas-y. Préparez. Donc il y a 5 mecs à tabasser et après on passe au boss. Allez, vas-y, viens par là toi.
Vous êtes censé rester dans le ring. Ouais, je le sais. Vous êtes censé rester dans le ring. Vous êtes censé rester dans le ring. C'est quoi cet assassin là devant nous là? C'est quoi cette blague? Qu'est-ce qu'il veut lui? Attendez, il me tape lui là, il triche lui. Mais défendez-moi là. Défoncez-le un coup de poing. Il s'est fait frapper par le gars là, non? Il va m'aider à tricher lui. Attendez, il va m'aider à tricher. Vas-y, viens. Vas-y, viens. Allez, frappe-moi, mec. Frappe-moi. Ça. Ouais. Vas-y, frappe-le à coup d'épée là, vas-y. Vas-y. Tu vas rencontrer. Frappe-le, vas-y. Vous êtes censé rester dans le ring. J'ai plus. Putain, mais le mec il me fait chier là. Vous êtes censé rester dans le ring. Vous êtes censé rester dans le ring. Ça me saoule ça. Ça me saoule, lui il me saoule. Ouais, très bien. Putain, mais ça. Il m'emmerde lui. Ouais. Allez, mettez le KO. Il m'a aidé, ça c'est génial. C'est bien ça. Mais en fait, il l'aide vraiment lui. Hein. Vas-y, frappe-le, vas-y, frappe-le, vas-y. Aide-moi là, aide-moi à gagner ce concours. Vas-y. Ouais, très bien ça. Cognez-le donc. Allez, frappe-le. Ouais. Comment j'adore ça. Comment je triche. Comment ouais, je triche. Bien, ça. Vous êtes censé rester, ouais, dans le ring. Vous êtes censé rester dans le ring. Waouh. Vous êtes censé rester dans le ring. Vous êtes censé. Frappe-le. Frappe-le. Vas-y, frappe-le. Vous êtes censé rester dans le ring. Frappe-le. Défoncez-le à coup de poing. Allez, aide-moi à le frapper là. Allez mec, dépêche-toi un peu. Allez. Ah, c'est chiant ça. C'est chiant ça. Perdu. Je me suis fait battre. Prochaine fois peut-être. Oh putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Mais attends mon gars, mais t'es fou quoi toi? T'es venu polluer mon truc là. Espèce d'enfoiré va. Un assassin. Il m'a fait échouer. Non mais c'est pas croyable. Je suis dégoûté. J'ai encore perdu.
J'ai encore perdu. Alors c'est à moi. Tout à fait. Allez, ramène-toi, Musclor. Je t'attends. T'as beau être le chef du village, je vais t'éclater la tête. Allez, viens. Viens. Allez. Raté. Allez, viens, dépêche-toi, là. Même pas tu m'en colles une. C'est ça? Même pas tu m'en colles une. Je vais t'éclater bien comme il faut. Ouais, très bien ça. Vous êtes censé. Allez. Reviens, reviens. Tout ce que je t'ai envoyé là, ça t'a pas suffi? Allez, tiens. Allez, fais-le tomber là. C'est bon ça. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. Putain, je te massacre, mon gars. Je te massacre. Cognez-le. Allez, t'en veux une dernière? Défoncez-le. Ah, espèce de tricheur. Espèce de gros tricheur. Avec tes petits coupés de fourbasse là. Voilà. Et oui, c'est comme ça que ça marche. C'est qui le patron maintenant? Il faut être fort pour me battre. Vous l'avez mérité. En même temps, tout ce que je t'ai envoyé dans ton dos comme un gros traître. Trophée du gang. La récompense du gang du point de fer de Knossolglade. Succès déverrouillé. C'est pas trop mal ça. C'est pas trop mal. On va retourner vite fait à Bowerstone Sud. Car j'ai cru comprendre qu'il y avait des petites quêtes par là-bas, notamment la quête d'un coiffeur. Bowerstone. Allez, c'est pas très loin. Tac, voilà. On va voir s'il y reste d'autres petites quêtes. Et après, je vais faire quelques petites ellipses pour... afin qu'on se retrouve devant quelques clés qu'il me manque à ce niveau-là du jeu et quelques coffres aussi. Je garde un œil sur vous. Ah, mais je sais qui c'est. Je sais qui c'est. Ok, il va falloir qu'on aille changer de coupe de cheveux. C'est le mec sur le quai. C'est bon, ça vient de me revenir. Il va me falloir une autre coupe de cheveux. Alors, où est-ce qu'elle est la coiffeuse? Où est la coiffeuse? Elle est pas par là. Elle doit être un peu plus haut. Elle doit être par là, normalement. Mais alors, pas du tout. Peut-être le bâtiment orange, là? Faut être prudent avec lui. Alors, le mec, il voulait une coupe de cheveux un peu bizarre, genre... un truc comme ça, quoi. Voilà, parfait. Oh, comment ça fait moche sur ma tête. On va aller lui parler. On va aller lui parler. Et après, je pense qu'il va nous faire faire d'autres coupes de cheveux. Il faut qu'on en termine avec cette quête. Absolument. Comme ça, ce sera fait. Allez, vas-y, parle-moi. Parle-moi, là. Rebonjour. On peut dire que votre coiffure est vraiment parfaite. Et voilà. Ma fille sera sûrement très... Mais j'avais oublié de vous dire qu'elle préférait les hommes avec une barbe, comme sur cette... Comme sur cette carte. Revenez okay. Me voir avec... Et pas d'inquiétude. Ok, des côtelettes. Des côtelettes, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Pour rentrer dans l'arène. Oh, la tête une que j'ai. Précise. On y retourne avec les côtelettes. Bonjour. Oh,
jolie barbe. Vous commencez à entrer dans le rôle. Pas de moustache ? Je vous ai dit qu'elle les aimait, comme sur cette carte. Non, mais t'es sérieux, mec, là ? Qu'est-ce que c'est que cette moustache ? Bachantes. Vous feriez mieux de vous dépêcher. Venez me voir quand vous serez prêt. Vous n'aurez pas à chercher loin. Ma fille sera contente. Une grosse moustachiose, donc, il faut. Une grosse bachantes. Allez, petite ellipse. Quel bel assortiment de mycose faciale. Mais pour être honnête, je me moque complètement de votre apparence. Et ma fille aussi. Ah mais tu te fous de ma gueule ou quoi ? Elle n'existe même pas. Mais j'aime bien ridiculiser ah ouais les héros tels que... Ah ouais, d'accord. T'aimes bien me ridiculiser ? Vous vous êtes vu. Vous avez l'air ridicule. Ouais, je crois que toi par contre, tu t'es pas bien vu quoi. Mais vous m'avez fait rire, alors voici une récompense. Maintenant, allez vous raser. Tatouage Saint-Jardin. C'est noté. Attends l'ami. Attends. Pars pas comme ça, il faut que je m'équipe rapidement de mes armes. Parce que là, je vais te trucider, mais bien comme il faut quoi. À moins que le jeu ne veuille pas. Ça se trouve, le jeu ne veut pas. Viens ici, viens ici, viens ici. Je te boxe. Reste là, l'ami. Ah, je t'ai raté. Bon, les petits amis, je vais faire une petite ellipse maintenant. On va se... Attendez, qu'est-ce qu'il y a par là-bas? C'est qui par là-bas exactement, là? Ah, ben oui, c'est le maître d'école pour les livres. Bon, donc je disais, petite ellipse, je vais me retirer un petit peu cette coupe de cheveux, cette barbe et cette moustache ridicule. Et on se retrouve devant les, en premier lieu devant les clés. Voilà, c'est ça, devant les clés. Et après, on verra pour les coffres. Allez, à tout de suite. Bon, en fin de compte, de retour à la ferme au Vergil, les petits amis. Je me suis rendu compte qu'il y avait une petite quête à prendre. Mais avant, je vais pêcher quelque chose dans ce petit truc d'eau là. Histoire de voir ce qu'il y a. On prend la quête et on retourne faire nos ellipses hein, sur les clés. Allez. Qu'est-ce que j'ai pêché là? Parfait, parfait, parfait. Quelque chose qu'on peut boire immédiatement en plus. Ça, c'est propre. Un petit élixir. Ça fait plaisir, voilà. Que faites-vous ici? Vous ne nous avez pas causé assez d'ennui? Les choses vont déjà assez mal. Ma mère a été tuée récemment. Sa tombe est à côté de la ferme, et je jure d'y avoir vu son fantôme. Je ne supporte pas de voir son spectre tourmenté. Pourriez-vous voir s'il est toujours à sa tombe? Je sais que vous nous avez causé des ennuis dans le passé, mais aidez-nous. Je vous paierai ce que je peux. Putain, le mec, il a changé de voix en plein milieu de la conversation, quoi. C'est flippant, hein. Voulez-vous aider? Ouais, vas-y. Merci. Tout ce que vous pourrez faire sera d'une grande aide. Pas de soucis. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, sa mère, là? Faites attention de quoi. J'ai pas peur, moi. Bonjour, très cher. N'ayez crainte, mon garçon. Je suis peut-être morte, mais je suis toujours une vieille dame. Quoi ? Une bien triste histoire, ah vraiment. Oui. J'allais offrir un collier à mon fils, Isia, pour son anniversaire de mariage, voyez-vous. Et près du lac de Greatwood, un bandit a surgi et m'a attaqué. Il m'a poignardé 3 fois dans la poitrine. Et a pris mon collier. Ah, intéressant. Si vous pouviez donner le collier à mon fils, je pourrais reposer en paix. Okay. C'est un bijou de famille depuis des générations. Il m'a toujours bien traité. J'espère que vous êtes bon avec votre mère. Allez, creusons, déterrons ce collier. Allons le rendre au fils. C'est quoi ces conneries là?
C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Ah, le collier, le collier, le collier. Vous avez vraiment vu le fantôme de ma mère? Et vous dites qu'un bandit a volé son cadeau? Retrouverez-vous le meurtrier pour nous? Je le tuerais moi-même si je le pouvais. Il doit être près du lac de Greatwood, où il a tué ma pauvre mère. Laissez-moi. Je tiens à rester en dehors de ça. Le lac de Greatwood, alors, vas-y, c'est par là-bas, c'est par là-bas. On est juste à côté, hein. On fait un petit aller-retour express. Et on revient finir cette quête. J'étais censé être sur une petite partie ellipse, là. Je sens que le retour se fera en ellipse, hein. Ah, le bandit est là, c'est nickel. On va pouvoir lui régler son compte rapidement. Ça va me valider une quête, me donner beaucoup de points d'XP. Et ça, c'est plutôt cool. Ah, un petit coffre aussi. Il m'a tué. Ça m'a fait un mal de chien, je peux vous le dire. Ok, ok, je te crois. Je crois qu'il est venu par ce chemin. Celui qui monte aux cascades. Et je le vois, il n'y a que lui, c'est bon. Ferme-la. Je crois y voir quelqu'un là. Mais oui. C'est lui, ce petit monstre. Attrapez-le. T'inquiète donc pas. Mais avant, tiens, un petit coffre 5 clés là. Je prends ça aussi, hein. Je prends. Un élixir de vie encore. Oh, on va encore en picoler un. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment très bien. La barre de vie qui augmente. Essayez d'augmenter votre multiplicateur de combat. Allez, vas-y. Est-ce que je peux le one-shot? Le mec, il sert à rien, quoi. Merci. Merci beaucoup. Ah, je t'en prie. Apportez ce collier à mon fils, Izia, afin que je puisse reposer en paix. Ouais. Héritage du spectre. Bon. Où est-ce qu'on est ? Ok, ça marche. Du coup, petite ellipse et on se retrouve devant le fils. Hein. A tout de suite. Eh ben voilà, parfait. Le collier. Comment puis-je vous remercier ? Veuillez accepter cet or. J'ai peur de ne pouvoir vous offrir mieux. Faites savoir à ma mère que je l'ai reçu. Peut-être que son âme trouvera la paix. C'est pas faux. Du coup, on peut te zigouiller ou pas, toi? Mais que faites-vous? Arrêtez! Je ne suis pas là pour me faire tuer. On peut pas te tuer. C'est bien dommage. Par contre, toi, tu commences à me saouler. Toi, tu commences à me saouler. Je sais pas si tu possèdes une baraque dans le coin. Au secours. Putain, on peut pas tuer les gens, quoi. C'est fou, ça. Mais que peut-on faire de nos jours, sérieusement, quoi. J'avais donné le collier à mon fils. Oui. Comme c'est gentil. Je vous embrasserai bien, mais les vers ont mangé mes lèvres. Ne me touche pas, espèce enfin, de sale spectre. Je peux faire ma sieste. Ouais, dégage. Au revoir, très cher. Repose dans le tourment. Bon, les petits amis, on y retourne, allez. Bon, je vois que sur Witchwood, il y a aussi un truc à pêcher ici. Est-ce que ce serait une clé ? Allez, verdict, verdict. Et pas du tout. Donc juste après le temple d'Avo, au niveau de Witchwood Lake, on a une petite statue là. Plutôt sympathique, une petite gargouille un peu bizarre. Il va falloir creuser à son pied. Pour y déterrer. Super. Nickel. Une autre clé se trouve à Knossel Glade, les petits amis. Donc vous vous enfoncez un petit peu dans le village. Et juste avant la maison qu'on peut acheter, il y a une petite allée. Et on creuse. Et une belle petite clé d'argent. Parfait.
Donc pour les clés, actuellement c'est bon, on ne peut pas en ramasser d'autres. On verra plus tard dans l'aventure, maintenant il est temps de passer... Tiens, de l'argent. Il est temps de passer au coffre que je peux ramasser. Donc on revient sur Witchwood, on rentre par la porte démoniaque qu'on a déjà ouvert il y a quelques épisodes. Et normalement... À côté de ça, il devrait y avoir un petit coffre... Tiens, j'avais pas tout ramassé ici. Oh, calme-toi. Dis donc. Voilà. Allez, déverrouille-moi ça. Amélioration de santé. Bien sûr que je prends. Et pour finir cette vidéo, un petit retour à la guilde des héros, histoire d'aller distribuer nos points de compétences, car... Pendant que je visitais Albion, je suis tombé sur quelques ennemis et j'ai pu me mettre de côté un peu d'expérience. Alors du coup, 65, je peux prendre vigueur, santé niveau 7, vigueur niveau 8, voilà le maximum, santé niveau 7, enfin niveau 6 pardon, je me suis trompé là, n'importe quoi, j'ai pris vigueur niveau 7 et santé niveau 6, je ne sais plus ce que je fais. Annuler, non, sûrement pas. Là, on ne peut rien prendre d'autre. Au niveau des sorts, foudre, alors sûrement pas. Fureur divine, non plus. Poussée magique, non. Rébellion, non. Drain de vie, ça peut être sympa, ça, quand même. Invocation, non. Bouclier. Je ne peux rien faire de plus. Bon, c'est pas grave. Bon les petits amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Ça va être, je crois, le premier épisode sur lequel je fais du montage. Mais il faut bien un début à tout. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Et on se retrouve normalement dans l'épisode... dans l'épisode 20. Salut, bye.